On enregistre la rencontre comme nous avions déjà fait pour les deux précédentes rencontres, mais là on enregistre dans le noir, donc c'est encore plus impressionnant. Je suis ravie de vous accueillir, vous, et d'accueillir David Meulemans, qui est à mes côtés, qui a accepté de venir jusqu'à Clermont-Ferrand aujourd'hui pour parler de ce thème du vampire dont on célèbre les 200 ans cette année, les 200 ans de la publication du premier texte mettant en scène un vampire dit aristocrate. David, qui est éditeur aux Forges de Vulcain, qui est une maison d'édition dont on va parler dans quelques instants, a publié une nouvelle traduction du texte de John William Polidori, Le Vampire, traduit par Arnaud Guillemette. Est paru la semaine dernière, pour célébrer aussi les 200 ans, la Pléiade Dracula et autres contes vampiriques, qui est dirigée, traduite, annotée par Alain Morvan, qu'on recevra la semaine prochaine, le jeudi 2 mai. Alors, le thème du vampire, c'était pour célébrer donc ces 200 ans, et ça entrait aussi dans nos actions de commando littéraire qu'on a mis en place pour célébrer les 10 ans de la librairie cette année en 2019, donc une action par mois. Et ce mois-ci, donc la quatrième action en avril, les vampires ont du style. Et ont du style, pourquoi? Parce que certes, ils prennent votre sang, mais vous pouvez le donner, votre sang. Et un partenariat a été mis en place avec l'Établissement français du sang, qui a bien voulu accepter de jouer le jeu, qui nous a prêté pour la vitrine une potence et une poche que diligemment ils ont remplie de jus de raisin. Et donc l'idée, c'était de faire ce partenariat, d'associer du sang frais avec le thème du vampire. Et donc nous récoltons, vous avez au comptoir de la librairie depuis plusieurs jours, des promesses de dons que vous êtes amenés, fortement même incité à remplir et à déposer. Faut pas oublier, voilà, qu'ils sont en manque de sang, c'est même cruellement en manque de sang, de plasma, de plaquettes. Donc voilà, en avril, les vampires ont du style, vous aussi, donc vous donnez votre sang. Voilà, ça c'était déjà la première introduction. Donc David Malmans, qui est à mes côtés, a créé une maison d'édition aux Forges de Vulcain, avec un titre déjà qui en dit long. Donc, si tu veux bien déjà nous parler, avant qu'on aborde notre ami le vampire, que tu nous parles de la maison d'édition, depuis quand elle existe, ce titre très mystérieux et la ligne éditoriale. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de l'accueil de la librairie, de m'avoir invité, d'avoir invité bien sûr à travers moi la maison d'édition. Merci à vous d'être ici. Je fais un tout petit aparté rapide. Je vous prie d'être bienveillant avec le dispositif technique, qui, je tiens à dire que je suis reçu dans des très bonnes conditions. C'est moi qui suis un peu en train d'apprendre la technologie, et donc c'est un peu sportif, mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Et quand on fera une version améliorée de cette exposition ou de cette présentation au Stade de France, vous pourrez dire que vous avez vu le Les prototype. prémices. Voilà. Donc la maison s'appelle Les Forges de Vulcain. Elle a été créée en 2010. Je l'ai créée avec des amis. En fait, je n'étais pas initialement éditeur. J'étais professeur de philosophie dans le supérieur. Et je l'ai créée avec des camarades d'études qui étaient tous enseignants dans différentes disciplines. Et je suis le seul à être devenu éditeur à plein temps. En fait, les deux choses qui nous inspiraient, c'était que deux jours, on était professeurs et enseignants et chercheurs, et de nuit, on faisait du théâtre, comme
le vampire a une activité nocturne. Nous, on faisait du théâtre. Et donc, 2 jours, souvent, on faisait des livres avec des éditeurs scientifiques. Et on était très mécontents de notre relation avec les éditeurs scientifiques parce qu'on ne comprenait pas les contraintes qui nous fixaient, la technique du métier de l'édition, on ne la comprenait pas. Et donc, on était mécontents de nos relations. Donc, on s'était tous dit un jour, il faudrait peut-être qu'on fasse nos propres livres au lieu de passer par des éditeurs. Et le soir, en faisant du théâtre, on faisait du théâtre de création et on avait pris le goût à créer des fictions dramatiques sur scène. Et donc on s'est dit, ah, mais pourquoi, comme on vieillissait petit à petit, on se disait, on va pas pouvoir continuer à faire du théâtre étudiant longtemps parce qu'on n'avait pas très loin de 30 ans, les gens commençaient à voir qu'on était un peu vieux pour être des étudiants. Et donc on s'est dit, on va arrêter le théâtre et notre appétit de fiction, on va le faire passer dans la littérature. Et donc on a créé cette maison d'édition qui fait à la fois des essais et des romans. Ces romans, c'est parfois des romans français, c'est des romans étrangers, c'est des romans contemporains et c'est des romans patrimoniaux. Dans le cas de Polidori, c'est un roman qui est à la fois étranger et patrimonial, puisque l'écriture du texte s'est étalée entre 1816 et 1820. 1819, pardon. Et voilà, la maison s'appelle Aux Forges de Vulcain, parce que même si j'étais comment dire, le chef de cette équipée, je me voyais mal donner mon nom à ma maison d'édition, ce qu'on fait de temps en temps, mais j'ai toujours trouvé ça un peu dangereux de donner son nom à une entreprise, parce que le jour où on revend l'entreprise et que des gens mettent de la viande de cheval dedans, c'est votre nom jusqu'à la fin des temps qui sera associé à cette aventure malheureuse. Donc déjà, ne pas donner son propre nom à une maison, c'est important. Et puis l'autre chose, c'est que comme on venait du milieu du théâtre où il y a cette habitude de faire des créations collectives et donc de travailler comme une troupe, je voulais qu'on figure ce côté collectif dans le nom de la maison. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Les Forges, puisque la forge, c'est un lieu d'artisanat ouvert et collectif. Et la référence à Vulcain, c'est-à-dire on a pris Vulcain comme un peu totem, parce qu'on voulait quelque chose avec un peu de souffle, un peu cosmique, et voilà. Et on regardait les dieux. Alors déjà, presque tous les noms-dieux sont pris par d'autres entreprises, donc on procédait un peu par élimination. Et puis on s'est rendu compte de quelque chose qui nous avait jamais frappé, c'était que tous les dieux ont un seul trait commun, c'est qu'ils sont tous très beaux. Sauf Vulcain. C'est celui qui est moche, difforme, poilu et en sueur. Ça le distingue. Alors bon, c'est pas nécessairement des caractéristiques enviables, mais ça le distingue comme ça. Mais il a aussi une autre chose, c'est que tous les dieux ont un outil ou un instrument de leur puissance qui a été fabriqué par Vulcain. Donc en fait, c'est le dieu le plus moche, mais c'est le plus important, parce que c'est lui qui donne, Indispensable. plus indispensable. Et en fait, on trouvait que c'était une très bonne métaphore du livre, c'est que le livre, c'est quelque chose qui est petit, discret, fragile, mais c'est sans doute le levier le plus puissant. C'est un levier puissant au sens où souvent, l'action de plein de personnes dans leur vie, leur vie morale, leur vie intellectuelle, leur vie sociale, est structurée par les lectures qu'ils ont pu faire entre l'âge de 5 ans et 25 ans. Et donc, quand on fait un bon livre, on se dit qu'on peut peut-être contribuer Participer. comme ça, donner des outils voilà, aux gens. Et surtout donner des outils par la fiction. Parce que souvent, on pense que c'est seulement les essais qui structurent la pensée des gens, mais moi, en raisonnant sur ma propre vie de lecteur, je me rends compte que c'est en lisant certains romans d'aventure que j'ai appris le courage, c'est en lisant certains types de textes que j'ai appris, je sais pas, l'amitié ou la loyauté. Et par exemple, dans le Vampire de Polidori, on apprend d'autres choses. Voilà. Et de manière générale, dans les textes de vampires, il y a des choses à apprendre qui sont de l'ordre de la moralité ou de l'intelligence. C'est pas, enfin, il y a quelque chose de. C'est une manière, c'est de transformer les émotions en connaissances et les connaissances en émotions. Voilà. C'est ça ce qui distingue la fiction des essais. Des essais. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Aux Forges de Vulcain. En fait, Le Vampire de Polidori, ça a été notre cinquième livre. Et ce que vous avez sous les yeux là, c'est la couverture d'une réédition qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est un livre qu'on avait fini par épuiser.
Et donc on a fait il y a quelques semaines une nouvelle édition. Donc cette nouvelle édition, c'est notre 99e livre. Voilà. Donc c'est à la fois notre cinquième et notre 99e titre. Avec une nouvelle couverture. Avec une nouvelle couverture. Très graphique. Alors oui, alors la couverture, on a un peu. Alors le Polidori, ça se passe au début du 19e siècle. Donc le col est effectivement un col du 19e siècle. Sur le fond, on a un peu triché. C'est que, en fait, c'est un papier peint à motif. Et à l'époque, les papiers peints à motif répétés, c'est pas très à la mode. C'est plutôt à l'époque victorienne, donc 40 ans plus tard, enfin 25 ans plus tard, que ça a commencé à se développer. Mais en fait, comme aux forges, on aime beaucoup l'époque victorienne, on a trouvé que c'était trop beau comme idée. Donc on a un peu menti. Voilà. Avec un papier peint fait de chauve-souris. Avec un papier peint fait de chauve-souris. Alors pour revenir à donc on fait une soirée vampire. Alors pourquoi vampire? Donc on fête donc les 200 ans de la première publication de ce texte Le Vampire écrit par John William Polidori et qui pendant très longtemps, donc on est en 1819, et pendant très longtemps ce texte a été attribué à Lord Byron. Oui. Alors, ce texte, il vient pas de nulle part. Il vient d'un lieu précis, qui est cette villa Diodati, au bord du lac Léman. Et il s'est passé quelque chose dans cette villa au printemps 1816, donc 3 ans avant l'apparition. Que s'est-il passé dans cette villa? Eh bien, cette villa, c'est une villa où se sont retrouvés plusieurs jeunes intellectuels britanniques, dont Lord Byron. Qui est un peu, alors il est encore jeune, mais c'est le plus âgé de cette troupe. Il y a aussi Percy Shelley, qui est l'autre grand poète britannique. La fiancée de Shelley, qui deviendra Mary Shelley. John Polidori, qui est le secrétaire et médecin de Lord Byron. Et Claire Claremont, qui est la. Comment on dit? Demi-sœur, Demi-demi-sœur, en oui. fait, de la future Mary Shelley. En fait, à l'époque, et les Shelley et les Byron reviennent de voyages un peu partout en Europe. Et l'année 1816, c'est une année particulière parce que, en termes climatologiques, on dit climatique ou climatique, on va dire climatique et pas climatologique. En termes climatiques, c'est une des pires années de l'humanité parce que suite à ce qui est vraisemblablement une explosion de volcan en Indonésie, le climat va être horrible sur toute la Terre pendant quelques mois. Et notamment cet été, alors il va y avoir, par exemple, il va neiger très très tard dans l'année en Italie. La neige sera rouge puisqu'en fait il y a encore des traces de cendres dessus. Le temps pendant tout le printemps et l'été en Europe va être vraiment horrible. Ces jeunes Britanniques qui étaient partis là pour profiter du soleil vont être enfermés et ils vont se fixer un jeu, c'est de se raconter des histoires gothiques. Alors les histoires gothiques, ça fait référence à un courant littéraire britannique qui date des années 1760, où il y a ces récits où apparaissent des fantômes et des monstres. Et donc, ils vont se fixer comme objectif de raconter chacun ou d'écrire chacun une histoire gothique. Et les deux plus connus de ces histoires gothiques, c'est deux des chefs-d'œuvre de la littérature de l'imaginaire en Occident. C'est le Frankenstein de Mary Shelley et le vampire de Polidori. Alors, le Frankenstein de Mary Shelley est très très connu. Le vampire de Polidori est moins connu pour toutes sortes d'autres raisons. Mais c'est quand même des œuvres fondamentales qui sont nées ce soir. Enfin, Sur plusieurs soirs, on sur suppose. plusieurs soirs. Oui. Alors, Mary Shelley, elle va réécrire pendant des mois son texte. Voilà. Et du côté de Polidori, en fait, c'est Byron qui a l'idée d'écrire un récit de vampire. Prend quelques notes, puis abandonne l'idée. Et c'est Polidori qui, rentré en Angleterre après s'être fâché contre Byron, va écrire le texte. Alors, il va écrire le texte, il va être publié en 1819 et publié sous le nom de Lord Byron, Oui. qui va Alors, lui donner un succès phénoménal. voilà, c'est ça. Parce que Polidori, alors, Polidori n'est pas un inconnu complet parce que son père a traduit beaucoup d'auteurs britanniques en italien.
et son père était le secrétaire d'un grand dramaturge italien. Donc Polidori n'est pas n'importe qui, mais il n'est quand même pas très connu. Et comme souvent c'était Polidori qui faisait, comment dire, qui transmettait les textes de Byron aux différents magazines, un magazine reçoit un texte de Polidori, n'est pas indiqué que c'est de Lord Byron, et le manuscrit se dit, ce sera plus facile à publier si on dit que c'est de Lord Byron. Et ils attribuent le texte à Lord Byron, mais consciemment, vraisemblablement. Et donc quelques mois après, dans le même magazine, dans le courrier des lecteurs, il y a une lettre de Polidori qui demande instamment à ce que soit corrigée cette erreur. En fait, elle ne sera jamais corrigée. Mais ça permet aussi au texte d'être traduit très vite en France. Par la Parce, renommée de Byron. voilà, puisque Byron est le grand poète britannique, très connu en France à l'époque. À l'époque, pour toutes sortes de raisons, il y a beaucoup de liens entre la France et l'Angleterre. C'est la Restauration, donc il y a beaucoup d'anciens émigrés français qui étaient allés vivre en Angleterre qui reviennent. Il y a beaucoup d'Anglais qui n'avaient pas pu voyager en Europe sous l'Empire qui reviennent en Angleterre, reviennent en France. Donc les échanges sont assez nombreux. Et grâce à la renommée, donc Byron est connu, la renommée de Byron permet la traduction du texte. Le texte est traduit tout de suite. Oui, très Et rapidement. il est traduit, oui, en 9 mois. Et il y a une particularité, c'est qu'à la même époque, alors ça c'est Mary Shelley jeune, alors ce portrait n'a vraisemblablement pas été fait, Nature, comment dire, d'après nature. d'après nature, Modèle, c'est-à-dire a oui. été. Parce que si vous cherchez un portrait de Mary Shelley, vous trouverez vraisemblablement un portrait où elle est beaucoup plus âgée. Il faut voir qu'à cette époque-là, en fait, lors de tous ces événements, elle a entre 16 et 20 ans. Donc au moment où elle rédige Frankenstein, elle a entre 16 et 20 ans. Alors, je suis désolé, c'est tout petit. Pourtant, je me suis mal organisé. C'est le portrait le plus connu de Lord Byron. Alors, ça ne se voit pas là, c'est un costume traditionnel albanais. C'est important pour Oui. l'histoire. Retenez que c'est un costume traditionnel albanais. Et là, normalement, vous avez Charles Nodier. Charles Nodier, qui est un écrivain français, souvent qu'on présente comme un des pères du romantisme français, ou qu'on associe parfois au romantisme noir. Charles Nodier, en fait, il a été enfin, oui, chef de bibliothèque. Bibliothécaire, par rapport à ce qu'il faisait exactement, c'est peut-être un peu, ça diminue un peu son mérite. Il était chef de bibliothèque, il a notamment été chef de bibliothèque en poste en Illyrie. L'Illyrie, c'est l'est de l'Adriatique et c'est au nord de l'Albanie. Et quand il était là-bas, il s'est passionné pour des légendes locales sur les vampires. Et il les a ramenés à son retour en France lors de la Restauration. Et il est devenu une sorte de spécialiste du monde des vampires. Et donc, quand a été traduit Le Vampire de Polidori, il en a fait la recension pour plein de revues, et il est un peu monté dans cette aventure de popularisation du vampire. Puisque, en fait, Lord Byron, ses connaissances sur le monde des vampires viennent aussi de voyages dans l'Europe de l'Est, qui sont liés à quelque chose de très particulier, c'est que les Anglais de la noblesse ou de la haute bourgeoisie, après leurs études, souvent faisaient ce qu'ils appelaient le Le grand tour. tour. Le grand tour, c'est quitter l'Angleterre et ils faisaient le tour, souvent France, Allemagne, Italie, parfois Espagne. Mais sous l'Empire, ce n'est plus possible, puisque Les les guerres Anglais, napoléoniennes. pendant les guerres napoléoniennes, les Anglais ne sont plus les bienvenus en Europe continentale. Et Lord Byron va aller en Europe de l'Est, va aller en Turquie, va aller en Grèce et va aller en Albanie. Et rejoindra après l'Italie. Et Byron, qui est pendant une partie de ce voyage accompagné de Polidori, recueille des légendes locales qu'il trouve fascinantes. Alors, chez Byron aussi, il y a une fascination pour ces légendes, parce que dans ces légendes, notamment en Turquie, elles ont une dimension extrêmement subversive d'un point de vue sexuel. Et Byron est un personnage un peu, enfin, qui est dans la provocation sexuelle, c'est-à-dire que certains de ses poèmes sont. Alors, le terme de censure ne s'applique pas à Byron, parce que Byron étant un lord, il peut contourner un peu tout ça, mais simplement il provoque régulièrement des scandales, à la fois pour ses écrits et pour ses frasques. Donc il a laissé plusieurs enfants qu'il n'a pas reconnus, il a fui plusieurs mariages, il a ruiné beaucoup de personnes,
Et bon, il est fasciné par les vampires pour leur côté un peu sexuel, et il rapporte ça dans Mais ses bagages. il ne reviendra pas en Angleterre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il mourra en Grèce. Oui, c'est ça. Donc, et en 1826, c'est ça? 26, Oui, c'est oui. ça. Allez, selon lui. Amissau Longhi, Voilà, oui. c'est ça. Parce qu'il Et il est Shelley aussi meurt, Échelley meurt noyé. voilà, à côté de Rome, c'est ça? Alors je ne sais plus sur quelle plage, mais il meurt noyé. Ouais. Mais voilà, ce sont des jeunes de la jeunesse anglaise très riche, mais qui ne va pas vieillir. Non, en fait, on dit souvent que dans toute cette génération de romantiques britanniques, il n'y en a qu'un qui va survivre et mourir vieux, et il va devenir réactionnaire, c'est William Wordsworth. William Wordsworth, qui est, lui, il est en... C'est un poète britannique qui est en France entre 1793 et 1794. Et au début, il adore la Révolution, jusqu'au moment où on lui explique qu'étant anglais, il a de fortes chances de se faire décapiter. Et voilà. Donc là, il commence à moins Ah, un peu moins aimer, sympathique. la Révolution. Il rentre en Angleterre. Sa grande œuvre, ça date de 1807. Et après, il va glisser vers la réaction jusqu'en 1850. Et voilà. Il faut voir en fait qu'à cette époque-là, et c'est important aussi pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette soirée, c'est que chez beaucoup de lettrés britanniques, il y a une fascination pour la Révolution française. Un personnage très important pour les écrivains britanniques à ce moment-là, c'est William Godwin. Et William Godwin, c'est le père de Père Mary de Shelley, Marie. qui est un écrivain qu'on qualifierait aujourd'hui d'anarchiste. Qui est en partie athée, qui est anticlérical, je dis en partie parce que ça va évoluer après, voilà. Et en fait, c'est des gens qui sont fascinés par la Révolution française, mais qui finissent par voir la Révolution française comme étant une sorte de bête qu'on libère, qui a quelque chose de positif parce qu'on rend une sorte de vie au monde. Et en fait, cette vie nous échappe et finit par détruire ses créateurs. Et donc, toute cette génération a adoré la Révolution française, et puis petit à petit, s'en éloigne. Et c'est le cas de tout ce cercle entre Bayonne. Après, il faut voir que là, on parle d'événements qui sont entre 1814 et 1820, où la Révolution française, déjà pour eux, commence à être quelque chose de lointain. Parce qu'il faut voir, enfin, ça fait 25 ans quand même. Mais Byron prend fait et cause, enfin, se lance en Grèce aussi pour lutter auprès des Grecs contre les Ottomans. Et il y a une volonté alors peut-être à la Lord Byron, dans un geste romantique, et il meurt là-bas. Alors il ne meurt pas au combat, évidemment, mais il y a une volonté d'action et de participer aussi, Oui, mais c'est alors ça, pas qu'un lettré. la fascination pour sauver les Grecs, en fait, c'est partagé par beaucoup de romantiques européens. L'autre figure qui est peut-être une sorte de pendant de Byron, c'est le poète allemand Hölderlin, qui lui, son une sorte de roman épistolaire qui s'appelle Hyperion, raconte comme ça cette fascination. Alors, chez. Comment dire. Mince. Chez Hölderlin, c'est très lié à une fascination pour la Grèce antique, et il commence à voir la Nouvelle Allemagne comme la Renaissance de la Grèce antique. Chez Byron, c'est un personnage compliqué, Byron, parce qu'en fait, contrairement à ses contemporains, c'est peut-être celui sur lequel on a le plus de documentation. Les biographies de Byron sont intéressantes parce qu'elles montrent que c'est un des rares personnages dont on peut tresser un portrait très très nuancé, où on voit que un empilement de raisons personnelles pour faire ce qu'il fait. Donc son idéalisme politique n'est pas certain. Voilà, c'est ça. Et alors, la gravure ou la peinture qu'il représentait en tenue albanaise, elle sort d'où cette image? Alors, il s'est fait peindre comme ça, et c'était. En fait, vous voyez, l'Albanie, ça touche la Grèce quand même. Et donc, c'était. En fait, c'est le début. Enfin, depuis le 18e siècle, même avant, en fait, le 17e siècle, il y a une sorte de courant orientaliste. Et Byron appartient aussi à ce courant-là, c'est-à-dire que pour lui,
L'Orient, c'est à la fois la sexualité, la liberté, et voilà. Et donc il y a une volonté chez lui de s'orientaliser qui est plus forte que chez d'autres. Mais en fait, ce qu'on voit dans les biographies de Byron, c'est que c'est un personnage qui est plus libre que les autres parce que son statut social lui Le permet lui cette liberté. permet. Mais par exemple, parmi les autres poètes romantiques britanniques, à peu près de la même génération, on a, enfin plus jeune, mais pas très loin quand même, il y a John Keats, qui lui vient d'un milieu plus modeste, et très régulièrement, dans ce qui nous reste de Keats, on voit ce ressentiment vis-à-vis de cette noblesse qui est complètement libérée de ce type d'éléments. Alors, ça peut sembler très étrange quand on parle de grands écrivains, très éthérés, très poètes, de parler de considérations très matérielles et économiques, mais en fait, pour le vampire de Polidori, c'est important. Tout à fait. Puisque un des aspects du vampire de Polidori, c'est que vraisemblablement, ce qui a amené Polidori à inventer le vampire moderne, parce que le vampire, c'est une figure qui est beaucoup plus ancienne, on pourra peut-être On tout à va l'heure en parler. parler, c'est que, je vais essayer de retrouver Polidori qui doit être juste avant, Polidori était pauvre. Polidori avait pour maître Byron, donc ça c'est Polidori. Byron le méprisait et l'humiliait très régulièrement. Il y a des récits dans la correspondance de Mary Shelley qui racontent ça. Bon, Mary Shelley n'a pas l'air d'apprécier Polidori non plus. Voilà, enfin, c'est triste, mais toutes les représentations de Polidori sont assez cruelles avec lui quand même. Mais en fait, avant le vampire de Polidori, le vampire est un être monstrueux. Voilà. C'est pas, c'est un mort-vivant. En fait, ce qui est simple, c'est au XVIIIe siècle, il y a trois catégories de monstres: les morts, les vivants et les morts-vivants. Ceux qui sont morts, c'est les fantômes. Ceux qui sont vivants, c'est les loups-garous. Et les morts-vivants, c'est les vampires. Voilà. Il y a que ces trois catégories, ça remplit à peu près tous les récits de monstres possibles. Et les morts-vivants, c'est souvent des êtres putréfiés. Ils sont inspirés des démons, ils ont des crocs, ils ont une peau visqueuse, et voilà. Ça, c'est le type de légende que récupèrent Polidori et Byron, mais aussi Charles Nodier, en voyageant en Europe de l'Est, en Albanie, en Grèce, en Turquie, en Roumanie. Et Polidori a une idée. C'est là, en fait, où il va s'éloigner du simple récit de monstre et donner une valeur allégorique au mythe du vampire. C'est que pour lui, Byron et de manière plus générale les très riches L'aristocratie. sont des vampires, l'aristocratie. C'est-à-dire qu'ils ne font rien de leur journée et ils sucent le sang des pauvres gens, à savoir les gens qui, comme Byron, doivent travailler pour vivre. Polidori. Comme Polidori. Polidori, pardon, doivent travailler pour vivre. Et donc, il va se dire, je vais croiser le monstre avec ses aristocrates. Et c'est là où il va créer cette figure moderne qu'on retrouve après chez Bram Stoker. Alors, Bram Stoker, c'est 70 ans plus tard, c'est le créateur de Dracula. Voilà, ça, c'est Bram Stoker. Je suis tombé juste pour une fois. Enfin, je vous préviens, ce sera la seule fois de toute la soirée. Hein, mais voilà. Et donc, c'est en cela que Polidori crée le vampire moderne. Parce qu'après, si vous remontez dans le temps, en fait, alors, il y a des gens qui font remonter les mythes du vampire enfin, à l'Antiquité romaine, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un démon qui suce du sang, c'est bon. Donc, il y en a en Inde, il y en a en Mésopotamie, donc on peut remonter très très loin. Mais en fait, il y a eu un vrai engouement pour la figure du vampire au XVIIIe siècle. XVIIIe. Voilà. Il y a notamment un événement en 1732, c'est la publication à La Haye de ce qui se présente comme un récit d'enquête qui aurait eu lieu dans le nord de la Serbie, où des gens se seraient plaints de se faire agresser par un de leurs voisins qui était mort. Et dépêcher un régiment et un chirurgien militaire qui enquête sur ça. C'est publié à La Haye par le Mercure de France, c'est diffusé en France, et en fait dans toute l'Europe, c'est une sorte entre guillemets de best-seller. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que nous on perçoit le XVIIIe siècle comme le siècle des Lumières, mais en fait c'est aussi
par contraste, un grand siècle d'obscurantisme. C'est-à-dire que c'est plus les lumières avancent, plus les superstitions locales choquent les intellectuels et les écrivains. Et finalement, le XVIIIe siècle, c'est un siècle où il y a énormément de textes sur les vampires, qui sont souvent de deux catégories, soit des textes qui se présentent comme étant des documents, pas des fictions, sur les vampires, sur la magie des vampires, sur comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, où ils sont, comment les combattre. Donc des textes qui reposent quand même sur la superstition et parfois sur des paniques locales. Donc sur des vraiment, voilà, on est quelques années avant la bête du Gévaudan. Alors la bête du Gévaudan, c'est pas un vampire, c'est un Oui, c'est un loup-garou. loup-garou. Voilà, c'est ça. Mais il y a des mécanismes communs. Et parallèlement, le deuxième type de texte, c'est les textes notamment des encyclopédistes, notamment de Voltaire, Walter, qui oui. pourfendent l'existence de Smith comme la preuve que il faut développer la raison pour lutter Les contre ces superstitions. superstitions. Voilà. Et donc, alors là, Bram Stoker, c'est très différent parce que lui, c'est le vampire vraiment, c'est le Dracula. D'une part, c'est vrai que son œuvre, je pense que littéralement, le Dracula de Bram Stoker en 1797 est une vraie belle œuvre. 1800, pardon, 1897. 1897, 70 ans après Polidori, c'est une vraie belle œuvre littéraire. L'autre chose aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi chez lui le même type comment dire, de réflexion qu'il y a déjà chez des auteurs du XVIIIe siècle, donc 150 ans plus tôt par rapport à lui. C'est que l'âge victorien, qui est donc l'âge où lui vit, donc c'est sous le règne de la reine Victoria en Angleterre, c'est un âge qui est à la fois l'industrialisation complète de l'Angleterre, c'est le triomphe de la raison, c'est les nouvelles grandes explorations, et c'est aussi le triomphe du spiritisme et un retour de certaines formes de superstition. Et le Dracula de Bram Stoker montre bien cette tension entre une société qui est de plus en plus industrialisée. Et en fait, il y a une fascination pour la superstition, tout simplement parce que le monde industriel est vécu à l'époque comme très étouffant. Et donc, on se tourne vers le spiritisme, ou on se tourne vers ce type de mythe ou de littérature fantastique, parce que d'une certaine façon, ça réenchante le monde, d'une certaine façon. Ça ouvre quelque chose. Alors, pour revenir Oui. au texte de Je suis très Polidori, bavard, donc il faut oui, vraiment couper là. pas de souci. Pour revenir au texte de Polidori, parce que ce pauvre Polidori, dont on ne parle pas très souvent, on va quand même lui consacrer peut-être un peu plus de temps. Le texte que tu as donc édité, refait traduire, Oui. dans une traduction très dynamique, que j'ai trouvé très très agréable à lire, et c'est un texte très court, Oui. très très court. Et j'avais une question d'éditeur. Le choix du Y Ah. dans le titre du vampire, est-ce que c'est un clin d'œil pour Byron? Est-ce que Non, du Y alors. de Byron ou pas? Non, j'y ai pas pensé, mais maintenant je le dirai. Voilà. Non, en fait, Je me suis posé la question. le Y, alors en plus, j'ai un peu triché, parce que la première orthographe occidentale de vampire dès le XVIIe siècle, c'est avec un N et un Y. Puis au XVIIIe siècle, le N se transforme en M. Et vers 1800, petit à petit, le Y laisse sa place au I. Et en fait, dans pas mal d'éditions de 1820 du Vampire et de ses adaptations théâtrales en France, on utilise encore le Le Y. Y. Et je trouvais que c'était une manière de montrer le caractère ancien du texte, même si c'est un peu triché. Et après, il y a une question très bête, c'est que dans un moteur de recherche, on le tape avec un Y, on tombe plus rapidement dessus que si on tape avec un I, puisque si vous tapez vampire avec un I, vous trouvez beaucoup de choses dans un moteur de recherche. Donc voilà. Il y a à la fois une raison intellectuelle et une raison très pratique. Voilà. Parce qu'il faut donc bien comprendre que dans le texte de Polidori, donc il y a un personnage, là, donc l'aristocrate, le Lord Ruthven, qui va être notre vampire, qui pourrait donc être un double de Byron. Oui. Et c'est pour ça que on dit que c'est un lord, Voilà, que voilà. c'est un lord. Et il y avait eu un texte justement qui mettait en scène Byron sous ce texte, ce nom-là de Lord Ruthven, qui avait été écrit par une dame, Camilla Lamb, Oui, 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 oui.
qui convoquait Byron dans ce texte, un peu satirique, je crois. Enfin, et Polidori devait forcément. Le choix de ce nom de personnage, Ruthven, doit sûrement venir de cette publication. Il règle un peu ses comptes avec Byron. Et la question que je me posais, c'est comment sait-on quelle réception a eu Byron à la lecture de ce texte? Alors, oui, et moi, je ne m'en souviens plus, parce que Pardon. je l'ai lu. Alors, dans notre édition, il y a une Alors, postface, oui. une postface que j'ai coécrite avec Thomas Spock, qui est professeur de français et romancier, et il s'avère que lui, il est beaucoup plus fort que moi. Donc, tout à l'heure, j'ai eu 1h30 au téléphone pour lui poser des questions, parce que je me suis dit que j'étais un peu juste sur certains aspects, mais j'ai oublié de lui poser cette question. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Eh bien, nous aurons la réponse ultérieurement, mais voilà, je m'étais demandé comment Byron avait pu, puisqu'il C'est une excellente question, il j'aurais aimé me pu. la poser il y a 4 heures. Parce que dans le texte donc qui est donc qui est court, bon, le fameux Lord, tous les ça va être l'élément catalyseur, enfin le texte catalyseur des éléments. On retrouve donc ce Lord un peu inquiétant, très très mystérieux, qui peut être à des endroits divers du globe, qui est sensible aux rayons de la lune, mais c'est Bram Stoker qui va mettre en place dans son roman Dracula les éléments qui vont être nos éléments, nous, contemporains, de toute cette mythologie, mythologie, est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là, mythologie du vampire, à savoir des éléments. En fait, on va créer aussi le chasseur de vampires, Oui. qu'il n'y a pas dans le texte de Polidori. Non, en fait, on sent dans le texte de Polidori qu'ils veulent se battre contre le monstre, mais ils sont très démunis. Voilà, ils sont très démunis. Et en fait, là où ce que va faire Bram Stoker, c'est qu'il va très méthodiquement réunir, faut dire les choses dans l'ordre. En fait, il y a eu un nombre incroyable d'adaptations théâtrales et de romans, de nouvelles sur les vampires au cours du 19e siècle. Entre Polidori et Stoker, il y a des centaines de textes qui sont écrits. Et même si aujourd'hui l'illusion de perspective ne fait saillir que ces deux textes et quelques textes de Sheridan Le Fanu, donc un auteur qui est à peu près entre les deux chronologiquement, il y a une créativité assez fantastique. Ce qu'a fait Stoker, c'est méthodiquement faire un peu la compilation de toutes ces légendes et les articuler les unes avec les autres. En fait, il fait pas un travail d'invention, mais en fait en liant des éléments épars, en leur donnant une forme précise et élégante, c'est lui qui solidifie définitivement le mythe. Et donc, ce n'est pas indu que la plupart des lectrices et des lecteurs associent le mythe du vampire à Dracula et surtout au Dracula de Bram Stoker. Avec cette petite variation, alors je la note quand même, c'est que là c'était une image du Dracula de Francis Ford Coppola qui s'est présenté, alors c'est un film de 92 je dirais, ou 93. Enfin, 1992-1993, qui s'est présenté comme une adaptation très précise et fidèle du roman de Stoker. Donc là, vous voyez, il y a un élément, c'est que là, vous voyez donc, c'est Gary Oldman qui joue le vampire, le comte Dracula. Et en fait, vous allez le voir à un autre moment, et c'est un moment important. Attendez, je l'ai un peu plus loin. Voilà. Là, il est en aristocrate séduisant. Et en fait, ce côté double face, chez Stoker, c'est une allusion. D'une part, c'est déjà un peu présent dans différents textes, mais c'est aussi la reprise d'un dispositif d'un autre texte victorien, qui est un grand texte à succès de l'époque victorienne, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire le même personnage qui présente deux visages complètement différents. D'ailleurs, en passant, ce qui est intéressant, c'est que
les œuvres les plus connues de l'époque victorienne, les romans les plus connus, sont des romans fantastiques. Il y a le Dracula de Bram Stoker, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et il y a le Portrait de Dorian Gray, qui est en fait un roman fantastique, même si tous Bien ces sûr. romans sont classés en littérature générale. Donc oui, il reprend, mais il donne cette forme définitive au texte. Je ne sais pas, on Et fait avec... l'anatomie complète du mythe Oui, de on tout. peut se lancer dans Ben, l'anatomie, là. alors, Allons-y. ce qui est intéressant, alors, ce qui revient toujours, les deux éléments, c'est le sang et l'immortalité. C'est les deux éléments qui vont distinguer le plus le vampire du reste de l'humanité, puisqu'il est retiré du reste de l'humanité, il est mort-vivant, donc ça veut dire qu'il a eu une première vie et il revient, mais tout en restant mort. Et donc il est immortel et il a besoin de sang. Alors, il a besoin de sang, mais ça veut. Si vous mordez, il ne vous transforme pas en vampire. Dans la plupart des mythes, généralement, le vampire ne peut pas. Si toutes les personnes mordues par un vampire se transformaient en vampire, tout le monde serait vampire. C'était une question que je m'étais Voilà. posée, justement. Non. Généralement, dans les romans modernes de vampires, on considère que le vampire. Bon, déjà, s'il boit tout votre sang, il vous tue. S'abreuve, Voilà. oui. Soit il vous mord régulièrement et à ce moment-là, son sang vous a empoisonné et vous êtes dans une relation de suggestion à lui. Donc, dans certains romans de vampires, alors pas dans Bram Stoker, mais avant Bram Stoker et après Bram Stoker, vous devenez ce qu'on appelle une goule. Et la goule a une caractéristique, c'est qu'elle est dominée par le vampire, mais elle peut souvent se déplacer la journée. Et donc, c'est des gens qui font. Parce que, en fait, c'est pas très pratique de ne pas pouvoir se déplacer la journée. Parce que, en fait, la nuit, tout est fermé, la poste, des choses comme ça. Donc, vous avez La vie besoin est d'un compliquée, serviteur. Voilà. ouais. Là, vous avez besoin d'un serviteur. Et ce serviteur, c'est quelqu'un qui est sous votre domination et dont le libre arbitre a été aboli. Voilà. Donc, il y a les ghouls. Ça, c'est le rapport au sang. Et en fait, à partir de ce moment-là, alors. Fondamentalement, la question qu'on peut poser, c'est si on regarde le vampire de Polidori et le Frankenstein de Mary Shelley, c'est que c'est deux textes très importants, mais en toute honnêteté, le Frankenstein de Mary Shelley, d'une part, une œuvre littéraire peut-être plus impressionnante, c'est plus long, c'est plus vaste, les thèmes déployés sont beaucoup plus nombreux et mieux articulés. Et surtout, même si Frankenstein a inspiré des suites ou d'autres textes, ça reste l'œuvre qu'on lit. Alors que, en fait, le mythe du vampire s'est beaucoup plus transformé dans des incarnations plus variées. Et c'est une question qu'on se pose très souvent, c'est une question qu'on s'est posée avec Thomas Spock, le postfacier. Qu'est-ce qui explique que à la fois la malléabilité du mythe du vampire et le fait que même si à chaque génération on réinvente des mythes du vampire, le mythe de Polidori nous semble par moments un peu loin. En fait, il y a une dimension dans le premier mythe du vampire qui est très religieuse, qui actuellement fonctionne moins bien. Alors, la dimension religieuse, c'est tout simplement que le vampire, à certains égards, c'est l'héritier du diable. C'est soit, alors dans certaines traditions, c'est Caïn, dans certaines traditions, c'est le diable lui-même, dans certaines traditions, c'est juste une créature démoniaque, mais donc c'est une bête ou un monstre qui est très structuré par un imaginaire religieux. Et c'est vrai que le recul de cet imaginaire religieux fait que cet aspect du mythe du vampire passe souvent au second plan. C'est-à-dire, et c'est aussi lié à cette idée que. Le mal peut être incarné. Un individu peut être parfaitement mauvais. Et en fait, le développement d'une certaine façon de la civilisation du doute, que ce soit enfin, par exemple avec Darwin qui fait tomber l'être humain de son piédestal dans la création, et Freud qui fait apparaître l'inconscient et le déterminisme psychologique, ça ne fait que quand vous avez un personnage qui est mauvais, sa méchanceté ou sa malice peuvent s'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il s'excuse toujours, mais il s'explique. Et donc c'est plus difficile de créer des personnages qui sont le mal absolu,
qui ne sont pas psychologisées, qui sont... voilà. Et d'ailleurs, les versions du vampire du XXe siècle sont très souvent psychologisées. Et c'est difficile de faire vivre le vampire initial comme étant l'incarnation du mal, parce que ça colle peut-être plus tout à fait à notre imaginaire de ce qu'est l'esprit, ou l'esprit humain, voilà. Alors, petit bémol, donc, suite à un problème technique, je ne peux pas vous diffuser des bandes-annonces de films, mais certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ou entendu parler de cette compagnie cinématographique britannique qui s'appelait la Hammer, et qui faisait des films d'horreur dans les années 40, 50, 60, 70, jusqu'au début des années 80, je crois. Et ils ont fait, à partir de 58, plusieurs adaptations du Vampire avec Christopher Lee. Et Christopher Lee, très souvent, joue un vampire qui n'est pas très psychologisé. C'est-à-dire, il est vraiment... C'est un je sais pas si vous voyez qui est Christopher Lee, c'était un comédien extrêmement grand, extrêmement impressionnant, avec beaucoup de présence. Mais Il y a d'ailleurs, en une fait, photo. il y a une photo qui est tout à la fin, je crois. Je vérifie si c'est bien. Donc, en fait, chez Christopher Lee, on sent un effort pour essayer de garder ce vampire initial. Et voilà. Christopher Lee dans le rôle de Dracula. C'est plein de films, hein. C'est-à-dire il y en a beaucoup. Au bout d'un moment, ça tourne à l'autoparodie. Voilà. Et il y en a même un qui est fait en coproduction avec la Shaw Brothers, qui était la grande compagnie de cinéma de kung-fu de Hong Kong. Et il se bat enfin, je crois qu'il c'est Dracula contre les 8 diagrammes de Shaolin ou quelque chose comme ça. Et voilà, à vérifier, mais c'était, ça vaut, je l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce, ça m'a un peu suffi. Mais c'est-à-dire que c'est très drôle pour une blague de 2 minutes 30, Oui, mais oui. au-delà de 2 minutes 30, c'est voilà. Mais par exemple, il y a eu une nouvelle, il y a quelques années, une adaptation américaine de Dracula, qui en fait s'appelle Dracula, mais ne ressemble pas vraiment au roman de Bram Stoker, puisqu'en fait ça raconte comment Dracula, le comte, ou le prince roumain, est devenu Dracula. Et en fait, ça, Dracula Untold, c'est ça le titre en anglais. Et là, pour le coup, c'est très psychologisant, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sauver son peuple de l'envahisseur, et donc il fait un pacte avec le diable. Donc le diable est toujours là, mais ce n'est pas lui qui devient le diable. Simplement, en fait, c'est un petit côté, il devient un super-héros. Oui, pour le bien de la communauté, en Voilà, fait. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça devient difficile de voilà. Ou par exemple, dans la culture populaire récente, la série télé Buffy contre les vampires, en fait, les vampires sont les méchants. Sauf deux, trois qui ont du mal à gérer leur situation de tueurs psychopathes. Voilà. Mais sinon, les vampires sont des monstres. Voilà. Mais alors, est-ce qu'à l'époque de la publication de Polidori, est-ce que c'était un texte qui faisait peur? Alors. Est-ce que, enfin, cette perception de la peur, qui évidemment sera pas la même, nous, lecteurs, 200 ans après, on n'aura pas cette même perception, mais est-ce qu'on l'a acheté pour avoir peur? Alors, ce qui est intéressant, alors il y a quelques années, il y a un chercheur américain, un philosophe américain, qui s'appelle Noël Carroll, qui a écrit un livre qui s'appelle La philosophie de l'horreur, qui n'est pas traduit en français, et qui résonne sur cet aspect-là. Ça s'appelle La philosophie de l'horreur ou les paradoxes du cœur, parce que depuis Aristote, mais surtout depuis David Hume, le philosophe écossais du XVIIIe siècle, une question récurrente en philosophie, c'est pourquoi on regarde des spectacles qui nous font peur et comment ils peuvent nous faire peur puisqu'on sait qu'ils sont faux. Voilà. Et un des philosophes qui vient juste après Hume et qui raisonne sur cet aspect-là a essayé de détailler la distinction entre ce qui nous fait peur et ce qui nous impressionne. Ce philosophe, c'est Edmund Burke. Alors, Edmund Burke, c'est un Britannique de la fin du XVIIIe siècle. Et Burke, en fait, ses idées sont pré-romantiques. Donc, en fait,
la notion, quand on voit comment les gens écrivent à l'époque de Polidori, comment les gens lisent, c'est pas vraiment se faire peur comme nous on peut se faire peur en regardant une histoire horrible, c'est plutôt être impressionné. Impressionné. Et l'idée de Burke, c'est de dire ce qui est important, c'est d'être exposé à quelque chose d'inhumain. Mais quelque chose d'inhumain, ça peut être, vous êtes exposé à un paysage naturel qui est tellement fantastique que il vous laisse penser que Dieu existe. Je ne suis pas en train de dire que Dieu existe. Hein. Voilà, ça, c'est... Non, mais je veux dire, c'est la responsabilité de chacun, et voilà. Mais c'est l'idée de Burke de dire, par exemple, face à certains spectacles de la nature où l'être humain se sent tout petit, Dépassé. il y a la preuve de l'existence d'autre chose que l'être humain et le fait que l'homme n'est pas la mesure de toute chose. On a l'impression dans la manière dont les romantiques écrivaient des récits horrifiques, on trouve cet élément-là. Souvent dans leur fait, alors si vous, quand vous lirez Polidori ou d'autres thèses de cette époque, il y a une figure de style qu'ils utilisent beaucoup, qu'utilise beaucoup Chateaubriand aussi, c'est l'illusion pathétique. L'illusion pathétique, c'est prêter à des objets vos propres sentiments. Alors, c'est le moment où Chateaubriand se balade en forêt et dit « Levez-vous, orage désiré ». C'est-à-dire, il parle à la nature et s'il y a du tonnerre dehors, ça évoque le Son tonnerre qui est dans son bouleversement. cœur. Voilà, son bouleversement. Voilà. Et c'est cette manière d'écrire qui est maintenant extrêmement désuète. Donc là, vous allez vraiment le retrouver dans Polidori. Mais c'est de l'écriture sublime. C'est-à-dire, c'est vraiment le monde extérieur, par sa grandeur, par son côté démesuré par rapport à l'être humain, nous permet à nous de ressentir des choses plus grandes que ce que l'on a et d'échapper à notre condition. Donc, en lisant ce philosophe Noël Carroll, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment de la peur, mais plutôt on cherche à impressionner, d'une certaine façon, à s'impressionner soi-même. Et voilà. Ce qui est vraiment très propre à des visions romantiques du monde, puisque les auteurs gothiques qui étaient avant, c'est-à-dire 1760-1800, sont vraiment dans une forme plus de recherche du dégoût par la bizarrerie. Et à partir de 1820, en France, les adaptations du vampire au théâtre ou ce type de récit tourne vers le grand guignol, en fait. C'est-à-dire vraiment, il y a beaucoup de sang, il y a des membres découpés, des choses horribles. Voilà, il y a une Oui, parce recherche de le qu'il y a une choquer. vraie vitalité au théâtre de ce texte des vampires. Oui, ben Oui, le... Charles Nodier y a Voilà. participé. Alors, Charles Naudier, il a été... Ben il a... Alors, il a coécrit l'adaptation Alors, enfin, avec deux autres personnes, c'est voilà, il ça? y a une collaboration avec Jouffroy et Camrouge pour reprendre. Alors, vous le trouverez dans l'édition que David a fait qui édite donc le texte Le Vampire de Polidori, mais une suite aussi, écrite en 1820 par Cyprien Bérard, qui était un homme de théâtre, qui était directeur de théâtre de vaudeville, théâtre de boulevard, qui a imaginé une suite au texte de Polidori. On l'oublie un peu, ce Cyprien Bérard, et on ne trouve pas grand-chose, si ce n'est ses initiales, très souvent CB. Et le texte, alors sans lumière, ça va être un peu compliqué, mais le titre, c'est Lord Ruthven ou les vampires, par Cyprien Bérard. Il imagine donc une suite aux aventures de Aubrey, le personnage qui dans Polidori voit sa sœur vampirisée et son amoureuse également. Ce Cyprien Bérard, théâtre de boulevard, doit connaître évidemment, je suppose, Charles Nodier. Et Charles Nodier reste dans la postérité pour avoir fait une version de la suite du Vampire de Polidori, mais c'est quand même Cyprien Bérard qui l'aurait écrite. Nodier en fait une adaptation au théâtre, avec la collaboration de deux personnes, Camrouche et Jouffroy. Mais Cyprien Bérard, il passe un peu à la trappe, en fait, comme Polidori, il passe un peu à Oui. la trappe, en fait. Non, Ces mais, deux en fait, personnages. dans la réception du vampire, il y a des phénomènes récurrents. Le phénomène récurrent, c'est que beaucoup d'histoires du vampire ont été écrites par des écrivains de seconde zone, mais
vont être commercialisés sous le nom d'écrivains connus. Et pendant très longtemps, on va oublier ces écrivains de seconde zone et c'est après qu'ils reviennent. En fait, dans les années 1820-1830, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est une période de très grande vitalité dans tout le monde occidental, dans le théâtre. Et il y a une vraie dissociation entre les grands théâtres et le théâtre populaire. Et très souvent, ce qu'aiment voir les gens sur scène, c'est ce que nous, au cinéma, on va voir des blockbusters, et eux, ils vont voir des choses violentes, des pièces de théâtre d'action. Voilà, par exemple, dans le catalogue des Forges, il y a un roman américain de 1836 qui s'appelle Shepard Lee, qui est considéré comme un des premiers grands best-sellers américains, qui est repris en point seuil. Et l'auteur de Shepard Lee s'appelle Robert Montgomery Bird. Et en fait, en travaillant sur lui, je me suis rendu compte qu'il n'était pas connu pour ce roman, enfin pas seulement pour ce roman, mais surtout comme auteur de théâtre et pour avoir écrit un gladiator en 1832, je crois, ou dans ces eaux-là, qui est représenté à New York. Et il expliquait, enfin, il est dit que pendant 10 ans, ça sera vu par 500 000 personnes, et c'est considéré comme un fantastique succès. Bon, de même en Europe, notamment à Paris, vous avez des adaptations du Frankenstein de Mary Shelley et du vampire de Polidori. La blague, c'est que c'est des adaptations qui sont faites sans autorisation. Parce qu'à l'époque, même si le droit d'auteur existe en France, on n'est pas très respectueux du droit d'auteur des gens d'autres pays. Voilà. Et là où je disais qu'il y a des choses récurrentes dans toute l'histoire de la réception des vampires, c'est que, au début du XXe siècle, juste après la Première Guerre mondiale, quand Murnau veut faire une adaptation du Dracula de Bram Stoker, donc Bram Stoker est mort, mais sa veuve est toujours vivante. La veuve s'oppose à ce que Murnau fasse une adaptation. Et c'est pour ça que Murnau a fait un Nosferatu. Nosferatu. C'est-à-dire, il reprend certains éléments du mythe, mais il renonce à d'autres éléments pour éviter, en fait, non seulement une poursuite, mais surtout éviter que l'œuvre ne puisse pas être commercialisée en Angleterre. Voilà. Alors, Nosferatu, j'ai Mais donc c'est retrouvé pour ça qu'il qu'une ne l'appelle affiche. pas Dracula. Voilà, c'est Oui. pour ça. J'ai retrouvé qu'une affiche qui est. L'affiche de l'adaptation de Werner Herzog avec Klaus Kinski, qui est beaucoup plus tardif, qui doit dater de entre 73 et 76, je dirais, dans ces eaux-là. C'est peut-être marqué même quelque part. Non, c'est pas marqué là. Mais voilà. Mais bon, vous voyez cette esthétique, vous vous souvenez peut-être de la version de 1922, qui est le chef-d'œuvre de l'expressionnisme. Voilà. Alors, j'ai pas pu vous ramener j'avais ramené la bande, comment dire, La bande annonce. la bande-annonce, merci. Et il y a quelque chose de très drôle sur le Nosferatu que j'ai appris il y a quelques années, c'est que on voit toujours ce film noir et blanc avec des personnages qui ont des gestes très très saccadés. Et en fait, c'est une erreur de représentation qui est très grave, mais c'est une vraie erreur qu'il faut corriger. C'est qu'en fait, ce film en Allemagne n'a jamais été montré en noir et blanc. Puisque Murnau en fait faisait livrer avec chaque bobine de film des films plastiques de couleurs et chaque chapitre avait des couleurs différentes de manière à ce que les chapitres suivent un personnage différent à chaque fois et donc chaque Des filtres. personnage avait sa couleur. Et l'autre chose aussi, c'est que en fait l'Allemagne et le reste de l'Europe n'utilisaient pas le même mode d'enregistrement et de diffusion Oui, c'est ça. en nombre d'images par minute, par Par seconde, seconde. pardon. Et en fait, l'Allemagne prenait. Alors, il y a un pays qui est à 18 images secondes et un autre qui est à 26. Et donc, quand on passe les films allemands, on commence à les passer dans le reste du monde, on les Ah, passe c'est en accéléré. saccadé, oui. Donc, ils sont beaucoup plus, ils défilent beaucoup plus vite. Ils sont donc plus courts à la fin. Et ça donne cet aspect. Voilà. Donc, je vous en engage à trouver une bonne. Parce qu'il y a des versions Ça existe, DVD, hein, ça oui. existe, voilà, où il y a. Et surtout, à l'époque, il y avait une partition qui avait été écrite. Et donc, vous pouvez aussi avoir le Nosferatu tel que Murnau voulait qu'on le voit. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette histoire comment dire, cette envie d'autres artistes de s'approprier le mythe. Sans toujours respecter le droit d'auteur des autres artistes, ce qui est toujours assez étonnant, c'est un problème récurrent du mythe de Dracula.
Et je repense à Bram Stoker, pour le resituer aussi dans l'histoire, il l'écrit 10 ans après les exactions de Jack l'Éventreur. Oui. Est-ce que ça serait vrai, ça pourrait être une source d'inspiration ou pas? On ne sait pas, peut-être pas. Alors, je ne suis pas spécialiste de Bram Stoker. C'est vrai que l'histoire de Jack l'Éventreur, elle est assez fantastique parce que elle colle tellement à l'imaginaire victorien. Parce qu'il y a le côté à la fois scientifique, donc côté le chirurgien, voilà. Il y a un petit, ça résonne avec Dr. Jekyll et Mr. Mr. Hyde. Hyde. Alors, je sais pas si, c'est-à-dire on devine que Hyde se livre à des exactions extrêmement violentes, qui sont pas très détaillées, mais voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible, mais je suis pas assez spécialiste pour le certifier. Et Bram Stoker, à part Dracula, la question c'est, a-t-il laissé à la postérité d'autres textes où Dracula fait l'ombre totale? Alors, Pour un vampire, c'est pas mal, mais ça c'est pour. Moi je me souviens d'avoir vu qu'il y avait d'autres textes de Stoker, mais je n'en ai ouais. lu aucun. Et je me suis rendu compte aussi, l'été dernier, j'ai lu une des biographies de Mary Shelley. Il y en a une qui est publiée aux éditions du Félin, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais je crois que le texte est ancien, doit avoir une vingtaine d'années. Et en fait, Mary Shelley, elle a écrit d'autres romans qui ont connu un certain succès, et certains de ces romans sont vraiment des romans qu'on classerait aujourd'hui en science-fiction. C'est des utopies et des contre-utopies de science-fiction. Et c'est vrai que elle a écrit presque 30 ans après, Frankenstein, mais c'est vrai que Frankenstein a éclipsé le reste de son œuvre. Eh bien, c'est. Je ne sais pas si vous avez des questions, il faut pas hésiter à les poser. Est-ce que la communion chrétienne est susceptible d'avoir inspiré l'image du vampire? Alors, Ceci est mon sang et ceci est mon ceci est mon sang. corps. Alors, oui, parce que, enfin, l'origine, enfin, comme c'est un mythe, qui est un mythe populaire initialement, c'est toujours très difficile de savoir. Quand c'est un mythe, c'est déjà difficile quand c'est un mythe écrit par une personne dans une œuvre de savoir précisément d'où vient chaque chose. Mais quand c'est un mythe populaire qui vient d'aires géographiques assez étendues et nourri depuis très longtemps, c'est très difficile de le certifier. Mais c'est très clair que le rapport au sang, le rapport à la damnation, tout ça, c'est un mythe qui est un mythe très chrétien en fait. C'est-à-dire bien sûr, enfin, un mythe créé par les dans le cadre de l'Église, mais c'est un mythe qui est imbibé de culture chrétienne sur plein d'aspects. Alors il y a des versions aussi du mythe du vampire où les vampires ne supportent pas les croix. Par exemple, dans pas mal de romans, dans les versions avec Christopher Lee que je mentionnais, toute forme qui évoque la croix fait reculer le vampire en fait. Donc il y a un moment où un personnage prend, je crois, c'est les tisons Les pour les tisons, les tisons, tisonniers. tisons, Les tisonniers, tisons, tisonniers, c'est les braises. voilà, c'est là, les tisonniers, merci. Croise les tisonniers pour Faire faire le fuir signe le de. vampire, voilà. Et ça, même dans alors dans les recréations très modernes du vampire, c'est-à-dire c'est les romans des 40 dernières années, il est dit que les vieux vampires ont peur des croix parce qu'en fait ils ont été poursuivis par l'Inquisition qui voulait les tuer. Mais c'est juste parce qu'ils ont été brûlés deux, trois fois et que ça les a un peu, ça les a un peu énervés. Mais les vampires plus modernes qui n'ont pas eu ce type de problème, eux n'ont pas peur des croix. Voilà. Alors, on pourrait aussi quand même parler d'un autre vampire féminin, le personnage de Sheridan Le Fanu, Oui. qui est aussi intéressant Oui. dans la mise en scène aussi d'une sexualité. Enfin, voilà, divergente et digressive par rapport à la société. Oui. Alors, il y a eu plusieurs textes au 19e siècle de femmes vampires. Alors, il y a, même dans les premiers romans de vampires, il y a des personnages féminins qui deviennent des vampires, mais elles sont toujours dominées par
le vampire masculin. Ça reste assez patriarcal comme vision du vampire. Et puis, vous avez des textes comme... Alors non, mais avant, vous avez... Alors je crois que c'est Goethe, 1797. Goethe, oui, tout à fait. La fiancée de Corinthe. Tout à fait. Voilà. Ouais. Vous avez La morte amoureuse. Oui, Gautier. Et après, vous avez Sheridan Le Fanu. Et Sheridan Le Fanu, il y a deux aspects. C'est le fait que c'est une femme qui, d'une certaine façon, a une sorte de sexualité libre, on dirait, qui est très dominante. Et il y a aussi le fait qu'elle est un peu pansexuelle, en fait. C'est-à-dire, elle est bisexuelle, voire au-delà de la bisexualité. Et donc, il y a quelque chose, effectivement... mais là, chez Sheridan Le Fanu, on rentre déjà dans l'époque victorienne, avec cette idée que les victoriens, c'est à la fois des gens corsetés et des gens qui adorent tout ce qui est un peu grave le barbon. Tout cet aspect transgressif. Parce que finalement, pour moi, la meilleure... non, j'en parlais tout à l'heure, c'est Oscar Wilde avec Dorian Gray ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans les deux cas, vous avez un personnage complètement beau, lumineux, corseté, qui est en contrôle de soi en permanence. Et en fait, derrière, son autre avatar qui est dangereux, menaçant, monstrueux. Et voilà, donc c'est, la part de l'ombre. C'est quelque chose qui est très fréquent dans le monde victorien. Alors, le texte de Sheridan Le Fanu, c'est Carmilla, pour ceux qui voudraient y retourner. Et on peut aussi parler d'une auteure, Anne Rice, évidemment notre contemporaine, 1976, avec son... dire qu'elle va remettre un peu le vampire dans la littérature avec son entretien avec un vampire et son personnage de l'Estat. Alors, Anne Rice, c'est peut-être parmi... j'ai une toute petite anecdote sur Anne Rice. C'est que il y a quelques années, quand je commençais à travailler sur le vampire... il y a quelqu'un qui a écrit une thèse sur le vampire au XXe siècle et il soutient sa thèse au début des années 80 et il demande à ses professeurs s'il peut travailler sur Anne Rice dans sa thèse et on lui dit Anne Rice c'est trop frais, c'est pas de la littérature, non, donc il mentionne pas Anne Rice et c'est un de ses très grands regrets. Surtout qu'entre le moment où il commence sa thèse, le moment où il soutient, le moment où il publie, il est... comment dire, Anne Rice, c'est devenu immense. C'est des grands succès de librairie assez vite. Donc Anne Rice, c'est toute une série de romans, mais le plus connu, c'est Entretien avec un vampire, qui a été adapté au début des années 90 au cinéma. Et ce professeur d'université, dont j'ai oublié le nom, a la possibilité, au début des années 2000, de republier sa thèse. Et il décide à ce moment-là d'inclure Anne Rice. Et entre le moment où il finit la rédaction de la nouvelle version de sa thèse et le moment de la publication, il y a Twilight qui sort. Et il a juste pu rajouter une nouvelle préface d'une page où il dit qu'il est maudit. Chaque fois qu'il fait une nouvelle version de sa thèse, il y a quelqu'un qui sort un roman à succès sur le vampire et qui transforme le mythe. Voilà. Alors Anne Rice, c'est peut-être... il y a beaucoup d'auteurs contemporains qui ont écrit sur le vampire, mais disons que je pense que Anne Rice, c'est la dernière à avoir fait ce lien entre un grand succès populaire et une œuvre qui reste une œuvre littéraire de qualité. C'est-à-dire, c'est parce que Twilight, je ne suis pas très particulièrement fan, bon voilà, c'est tout. Et sinon, il y a des très bons romans de vampires. Il y a quelques années, il y a eu La Villa des Mystères. C'est un roman du début des années 2000, un roman argentin, qui a été publié chez Métellier, qui a été repris chez Folio SF. Et je ne me souviens plus du nom de l'auteur, qui est un... Je me souviens que c'est un psychanalyste argentin, mais je crois comprendre que ce n'est pas original, puisque la psychanalyste... C'est ce que j'ai dit, les psychanalystes argentins. Voilà. Dans le doute, les Argentins, soit ils jouent au rugby, soit ils sont psychanalystes. Voilà. Ou ils font de la trompette, aussi. Voilà. Et La Villa des Mystères, pour le coup, c'est un très beau texte, mais ce n'est pas un texte qui réinvente complètement le mythe comme Anne Rice a pu le faire, puisque ça raconte, en fait, la soirée. La soirée. Ça raconte la soirée.
mais avec, en réajoutant un personnage, quelque chose de très la soirée noir, à la de villa très sombre. Diodati. Voilà, la soirée dont on parle tout à l'heure. La soirée chez les... Voilà, et c'est... mais c'est un très bon roman. Donc, mais simplement que La Villa des Mystères, justement, c'est une réussite littéraire, mais ce n'est pas un texte très très connu. Le dernier, pour moi, très très grand texte de vampire en termes de... d'équilibre entre une certaine exigence et un succès populaire, mais c'est effectivement Anne Rice. Mmh. En fait, comme avait fait Bram Stoker avec ce qu'il précédait, qu'il a... Oui, reformé. Parce que Anne Rice, c'est ça, c'est, elle compile tout, ouais. Elle assemble tout, et elle crée une mythologie, elle crée cette... enfin, pas elle... Puis une psychologie. Elle explicite, voilà, elle raisonne beaucoup sur cette idée qu'effectivement... Alors, c'est peut-être elle qui explore le plus méthodiquement le fait que si les vampires créent des vampires, ça crée des générations. Et y a des générations de vampires, c'est-à-dire que c'est une société pyramidale avec le premier vampire, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième. À chaque fois, ils sont plus nombreux. Mais à chaque fois, comme ils sont éloignés du sang du premier vampire, ils ont de moins en moins de pouvoir. Ah oui, y a des générations. Ils sont de plus en plus affaiblis. Ouais, c'est pas et mal, voilà. Mais dans... Dans Anne Rice. Alors Anne Rice, elle a fait vraiment pas mal de romans de vampires. Puis elle a essayé d'autres mythes de l'horreur. Elle a travaillé aussi sur le mythe de la momie avec moins de succès. Mais Oui, par exemple, le mythe de la momie a eu, enfin, oui, ça fait penser à Gautier évidemment, mais a eu moins de succès que. Ça en a eu quand même. Non. Il a eu sa période de succès aussi. Mais c'est aussi, ça rejoint la question. Alors ça, c'était vraiment Thomas Pock, le romancier, qui avait posé cette question. Il m'avait dit, c'est toujours important dans les monstres. De voir ce que ces monstres métaphorisent. On voit bien, par exemple, la grandeur du Frankenstein de Mary Shelley, c'est que ça métaphorise plein de choses. Ça métaphorise la Révolution française, comme étant quelque chose qui est inventé dans la tête des gens, mais n'est pas naturel, et donc se retourne contre ses créateurs. Ça métaphorise le processus de création. C'est-à-dire que Mary Shelley, elle, dit « Je suis une femme, et moi, quand je... » crée un être humain, je le crée biologiquement et il fonctionne, mais un homme ne peut pas créer un être humain parce qu'il ne peut pas porter d'autres êtres humains, et donc doit le créer mécaniquement et pas organiquement. Et en fait, s'il le crée mécaniquement, ça ne fonctionne pas. Ça métaphorise aussi le fait que les créations humaines ne sont pas les mêmes choses que les créations de Dieu. Parce qu'elles ne sont pas dotées d'âme. C'est Dieu donne l'âme, mais l'être humain donne la mécanique, mais ne peut pas donner l'âme. Ce type de choses. Donc, il y a plein de métaphores qui permettent de au Frankenstein de Mary Shelley. Chaque fois qu'on le lit, à chaque génération, on peut relire la même œuvre, mais y voir des choses différentes selon les obsessions de notre époque. Je pense que le mythe du vampire fonctionne différemment au sens où à chaque fois, il faut faire une nouvelle œuvre où on va l'écrire un peu différemment. Et il y a des mythes comme ça qui fonctionnent plus ou moins. Par exemple, si, pour faire la liste de ces mythes, il y a les fantômes, les vampires, les loups-garous, les zombies, la créature du lagon noir, la momie. Enfin voilà, et chacune va métaphoriser différentes choses qui sont... plus ou moins vont plus ou moins résonner à chaque étape, à chaque époque, avec l'imaginaire. Par exemple, c'est clair que depuis la fin des années 70, les zombies, c'est quelque chose, voilà. Et ça s'est intensifié sur les 10 dernières années, même si je me demande si là, on n'atteint pas un peu la saturation sur les zombies. Mais c'est vrai qu'il y a des mythes, comme par exemple la momie, qui ont très bien fonctionné, mais sur les dernières années, les tentatives de réexploiter le mythe de la momie n'a pas fonctionné. Alors là, on parle vraiment des mythes de monstres, mais il y a des mythes plus classiques. Alors, on en parlait avec Thomas Pock, parce que Thomas Pock, lui, c'est un romancier dont le premier roman, c'était une réécriture du mythe arthurien. Et son idée, c'est de dire le mythe arthurien, c'est un mythe très ancien sur lequel, en fait, depuis 1500 ans, des gens ajoutent au mythe arthurien. Et en fait, il y a des phases où le mythe arthurien résonne avec notre époque, et donc il y a des grosses productions de mythes arthuriens, c'est-à-dire beaucoup de romans. Par exemple, dans les années 70, les renouveaux régionalistes en Europe ont fait qu'il y a plein d'Anglais qui se sont dit on va écrire du mythe arthurien réaliste en disant c'est nous les héritiers de Rome, et donc c'est nous la civilisation à côté des barbares.
sous-entendu le continent, quoi, voilà. Et voilà, il y a des résurgences du mythe arthurien chez les Bretons, en disant un peu la même chose que les Anglais, sauf que c'est comme c'est toujours ça, c'est l'ennemi est bête, il pense que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui, voilà. Et voilà, mais bon. Et d'une certaine façon, le corpus arthurien, c'est différent, il est peut-être plus facile à réactiver, mais il y a des moments où Arthur résonne moins avec l'époque, quoi, voilà. Et en fait, je pense que la momie, c'est un peu difficile. Il y a quelques années, il y a eu une tentative d'Universal de relancer la momie. Ça n'a pas marché, mais bon, le film était mauvais, mais est-ce que c'est parce que le film est... bon. Est-ce que c'est parce que le film était mauvais que ça n'a pas marché? Parce qu'il y a des films mauvais qui marchent très bien. Oui, oui, oui. Voilà, donc je ne sais pas. Je pense aussi que le mythe de la momie, précisément, c'est une forme d'orientalisme qui, aujourd'hui, est un peu décalée avec notre société, qu'on pourrait qualifier de parfois un peu raciste avec nos critères actuels. Donc je pense que c'est compliqué à manier comme mythe aujourd'hui. Voilà. Alors, quelle serait, donc la question qu'on pourrait se poser en 2019, quel serait notre monstre? Si on met quelle image du monstre. Non, mais c'est très très dur à faire, parce que effectivement ça devient difficile pour nous d'imaginer quelque chose qui soit hors de l'être humain. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que plus on avance dans une sorte de connaissance scientifique de l'être humain, plus on peut toujours expliquer le comportement de l'être humain, et même les comportements les plus extrêmes peuvent être rétablis comme une variation de l'humanité, mais au sein de l'humanité. Le monstre, c'est ce qui est vraiment au-delà. Alors, on peut parler de monstre d'un point de vue métaphorique. Par exemple, le dernier roman que nous, on a publié, s'appelle « Souviens-toi des monstres ». Alors, je précise que chaque année, aux Forges de Vulcain, on a un thème. Cette année, c'est les monstres. Donc voilà, on est en plein thème. Et « Souviens-toi des monstres », c'est dans une Italie imaginaire, des frères siamois qui naissent, et ils naissent dans une famille horrible, c'est-à-dire des gens violents, des voleurs, et voilà. Et il y a toute cette question sur qui sont les vrais monstres. Voilà. Mais en fait, le terme de monstre, là, est employé au sens moral, par exemple. Mais il n'y a plus vraiment de vrais monstres. Monstruosité, en fait. De monstruosité. Même ça a été posé... Alors, attention, là, je vais mentionner une œuvre d'art que je ne conseille peut-être pas d'aller voir, mais sa morale est intéressante. C'est à la fin des années 70, début des années 80, il y a eu en Italie ce film d'horreur qui s'appelle Cannibal Holocaust, qui est donc un film de cannibale, voilà. Mais c'était marrant parce qu'en Italie, à cette époque-là, c'était souvent les réalisateurs faisaient des films horribles, mais c'était des gens très très lettrés. Donc c'était des lecteurs de Marx, de Marcuse, voilà, mais qui allaient faire les films les plus horribles, les plus mal faits, les plus, voilà, mais avec une sorte de très haut niveau culturel, voilà, ça, un arrière-monde intellectuel extrêmement structuré. Et donc c'est un film de found footage, c'est ces films où on fait croire qu'on a retrouvé des vidéos comme ça, mais qui en fait ne fait que reprendre ce qu'il y a déjà dans toute la littérature vampirique sur on a retrouvé un manuscrit et on vous raconte ce manuscrit et voilà. Et donc dans Cannibal Holocaust, ils retrouvent en fait c'est des jeunes étudiants en cinéma qui sont allés filmer des Indiens et en fait les ont pervertis. Et finalement, à New York, ils retrouvent les films, ils les voient dans une petite salle, ils sont horrifiés. Donc le film est vraiment horrible, je ne vous le recommande pas particulièrement, parce que c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Mais il y a un professeur d'anthropologie qui vient voir le film, et à la fin, il dit qui étaient les vrais cannibales. Est-ce que c'est les cannibales qui mangeaient des cannibales, ou est-ce que c'est métaphoriquement les Occidentaux qui sont allés détruire les populations indiennes? Et là, on a... En fait, on voit bien dans ce film l'articulation entre... le monstre, au sens classique, comme une incarnation, et la métaphore, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'on est quand même dans une phase très métaphorique. C'est-à-dire... même les zombies, c'est délicat, les zombies, parce que il y a deux formes de zombies. Il y a les zombies qui sont des vrais monstres complets, et il y a les zombies, en fait, c'est des êtres humains qui sont juste des consommateurs poussés à l'extrême. C'est-à-dire, c'est les zombies de Romero, du film Zombie de Romero. Donc, pas La Nuit des Morts Vivants, mais Zombie.
où c'est des gens qui retournent dans les supermarchés et qui poussent des caddies vides. Voilà. Donc c'est bon, ça. C'est-à-dire c'est sur la notion d'habitude, la notion de conditionnement, et voilà. Donc non, je ne sais pas quels seraient nos monstres aujourd'hui. C'est une bonne question. Je sais pas qui est... quelle est la métaphore. Oui, enfin, là, actuellement, clairement, ce qui fonctionne le mieux, ça reste encore un peu les zombies. Parce qu'il y a plus d'œuvres sur les zombies qui sont... Il y a régulièrement des récits de vampires qui reviennent. C'est peut-être les deux mythes de monstres qui sont les plus visibles actuellement. Non, et puis, il y a les monstres de science-fiction, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire les robots, les intelligences artificielles. Oui, c'est, oui bien sûr. Oui. Mais c'est pas dans... Le transhumanisme. Enfin, voilà. Le monstre d'aujourd'hui, on pourrait pas dire que c'est un peu le loup-garou. Ou dans un sens... C'est Stephen King qui compare justement Dr. Jekyll et Mr. Hyde à une histoire de loup-garou. Et on va dire, chaque fois qu'il y a des problèmes aujourd'hui, dans l'époque où on se trouve, de terrorisme, un mec qui va se faire péter, tout le monde va dire autour, il était très gentil. Ah. C'est un peu là une forme de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire avec le... Il peut paraître très gentil, mais au fond de lui... Mais c'est vrai que le... Oui, le côté double face... d'une certaine façon, on trouve ça aussi dans... Il y a une partie de la littérature policière qui est très horrifique, où on découvre à la fin que le criminel horrible, c'est le voisin très gentil. Voilà. C'est l'auteur du roman. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire ce... Effectivement, parce qu'en plus... Non, c'est une bonne piste à creuser, parce que c'est vrai que quand on lit tous ces textes dont on parlait du 19e siècle... les personnages sont d'un seul bloc, c'est-à-dire il y a cette notion de, et c'est aussi une façon peut-être de, en créant des personnages à double face, c'est aussi une façon d'aller contre notre connaissance du déterminisme psychologique, c'est-à-dire de dire je crois avoir d'avoir compris quelqu'un, et en fait derrière il y a une part inconsciente qui nous a complètement échappé. Oui, c'est une bonne piste. C'est une bonne piste. C'est une très bonne piste. À creuser. À l'époque de la tourne du 18e siècle au 19e siècle, il y a aussi, il me semble, pour le peu que j'ai lu, qu'il y a une vogue de ce qu'ils ont appelé les nouvelles anglaises. Et c'était des histoires très stéréotypée d'une jeune fille, fille de basse extraction, qu'un noble rend amoureuse de lui. Et il va la tromper, quelque part l'instrumentaliser comme un pervers narcissique. Et ça, ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit c'est une histoire très morale, c'est à la Greuze. Et en réalité, il y a de ces nouvelles qui ont été écrites par Sade, par exemple. Et par Florian, mais ça, c'est quand même... Et est-ce que c'est pas aussi le mythe de celui qui... C'est facile à remarquer, mais de celui qui dévore une créature dont il va se nourrir comme un pervers narcissique, quoi. Mais il y a... Alors, c'est vrai qu'on retrouve souvent dans les histoires de vampires ce type de situation où... il y a une jeune femme innocente et elle est pervertie par le vampire et elle s'éloigne du droit chemin. D'ailleurs, parfois, c'est très étonnant, en fait, quand on avance dans le texte, on découvre que la perversion, c'est qu'elle découvre sa sexualité et elle a une sexualité libérée. On dit, finalement, c'est pas trop mal pour elle, voilà. Sauf qu'à l'époque, c'est l'horreur parce que celui qui est embêté, c'est son fiancé qui devait se marier avec elle après. Il découvre qu'elle, elle découvre... que les plaisirs de l'homosexualité, des choses comme ça, et donc il commence à avoir un peu peur. Mais c'est vrai que ce type de récit, mais c'est, alors, le type de récit que vous mentionnez, en fait, je me demande s'il n'y a pas aussi une filiation dans la romance. Ce genre littéraire, depuis le début du 19e siècle, comme ça, où il y a souvent cette figure de la jeune femme avec l'homme plus âgé qui serait manipulateur, ce type de choses, ça revient. Mais... Et maintenant, et je vais comme ça faire un lien, j'ai appris il n'y a pas longtemps, et ça veut dire vraiment que je ne suis pas beaucoup ce type de choses, que Fifty Shades of Grey, grand succès en librairie, où il y a une jeune femme, un homme plus âgé, un peu mystérieux avec un secret,
c'est initialement une fanfiction de Twilight. Voilà. C'est-à-dire que c'est un développement qui part une de vampirisation. Là. Voilà, une vampirisation d'un récit de vampire. Ouais. Voilà. Mais ce qui, alors après, d'un point de vue qualitatif, on peut avoir des réserves, mais c'est toujours intéressant comme processus, parce que ces types de processus d'inspiration, de, comme ça, c'est les processus qui ont expliqué la prolifération du récit vampirique au XIXe siècle. Alors on va peut-être... Ah non, oui. Vas-y, vas-y, une question. Qui change un peu de ce dont vous parliez à la fin. C'était surtout par rapport, en fait, au... Vous aviez commencé à en parler, au code, en fait, du vampire, surtout avec... Il fallait qu'on attrape de l'ail, le bénit, ça les brûle, ils ont dans le miroir. Est-ce que tous ces codes-là viennent justement de cette partie de l'histoire avec le vampire moderne, l'aristocrate, etc. Ou est-ce que justement c'est inspiré par les légendes beaucoup plus anciennes du vampire? Alors, des légendes beaucoup plus anciennes, et il y a un livre français qui est remarquable et qui synthétise bien ça. C'est Le réveil des vampires chez Découverte Gallimard. C'est ça le titre? C'est chez Découverte Gallimard, je pense là, en plus. Je ne sais pas si c'est celui-là. Qu'il est, si, c'est le Découverte Gallimard, et qui fait toute l'histoire du mythe. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments du mythe qui sont antérieurs au XVIIIe siècle. C'est-à-dire l'ail, le sang, l'immortalité, le pieu, les crucifix, tout ça c'est antérieur. Les balles d'argent. Voilà, tout ça, c'est, ça vient d'un peu partout, voilà, mais c'est antérieur. En fait, c'est ça, le mythe classique du vampire, c'est ça, c'est tous ces éléments-là. L'apport vraiment de Polidori, c'est juste que le vampire, c'est ça, voilà. C'est ce qu'il rajoute, simplement. Et d'ailleurs, les aspects plus classiques, comme le crucifix, tout ça, ça n'apparaît pas chez Polidori. C'est l'œuvre la plus complète sur le vampire, la première œuvre complète, c'est plutôt le Dracula de Bram Stoker. On retrouve tout, on retrouve tous les mythes classiques synthétisés, et le vampire aristocrate, voilà les deux aspects. Et avec une vraie psychologie des personnages. Oui, oui, parce que c'est un roman. Et la construction, c'est voilà, comme, la construction, elle est quand même entre les journaux, les lettres, voilà, c'est il y a une vraie construction très très nette. Non, c'est une grande œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mélanie? Juste pour conclure, très rapidement, pour répondre à la question que tu as posée à David, quel est le monstre de 2019? Pour moi, c'est assez pessimiste, mais pour moi, c'est l'homme en fait lui-même. On le voit dans plein de récits très récents, très contemporains de science-fiction. Je pense à Qui a peur de la mort, notamment, où c'est l'homme lui-même qui est le monstre. Il a des pouvoirs, mais c'est lui qui va apporter les forces du mal. J'ai cité effectivement La Servante écarlate, qui est de la dystopie. Mais on voit aussi, il y a une grosse veine de. Ça s'appelle la Cli-Fi. Donc, c'est la science-fiction basée sur les catastrophes climatiques. Et c'est l'homme qui est mis en cause, en fait. C'est à cause de lui qu'on en est arrivé là, à cet événement donc, exagéré, puisqu'on reste dans la science-fiction, dans la dystopie. Donc pour moi, ouais, le monstre, en tout cas, de ces 20 dernières années, c'est l'homme qu'on retrouve notamment beaucoup dans la fantasy de la SF. C'est l'homme, en fait, qui va être le monstre. Oui, et le monstre sans des artifices de création. Oui, ce qui est encore pire. Est-ce que ça fait peur? Et justement, ça fait encore plus peur de cet aspect beaucoup plus réaliste. Mais dans le catalogue des Forges, on a plusieurs romans, on a plusieurs fictions climatiques. Il y en a un qui avait gagné plusieurs prix il y a quelques années, qui s'appelle « Nous entrerons dans la lumière » de Michel Astrud. Et ça se passe dans une France caniculaire, où en fait, elle détaille bien comment, le moment où il fait trop chaud, tout l'appareil social se délite, c'est-à-dire les gens n'ont plus trop envie d'aller travailler, les policiers n'ont pas nécessairement envie de courir derrière les criminels, enfin, tout se délite, les institutions ferment, et une société n'a plus d'institutions, donc tout part. Et en fait, c'est l'histoire d'un père qui apprend que sa fille, qui est en institution psychiatrique, qui doit aller la récupérer parce que l'institut ferme, les gens s'en vont. Et donc il décide de la prendre et de l'emmener jusqu'à Saint-Nazaire, donc c'est de la fiction climatique française, voilà, pour prendre un bateau pour aller vers le nord du Canada. Et en fait, alors sans ce qu'on sent dans le roman, c'est qu'effectivement il y a cette idée que
Alors c'est un roman où il y a une forme d'espoir, où on sent petit à petit que, grosso modo, le monde pourra être sauvé si tous les individus de plus de 20 ans se sacrifient et disparaissent. Voilà. Et qu'il y a une rupture générationnelle, c'est-à-dire que le seul moyen que les habitudes du passé ne survivent pas, c'est que la population qui a les habitudes du passé disparaisse violemment. Et, voilà. Et, mais c'est vrai qu'il y a cette idée, effectivement, où on voit les adultes sont les monstres, en fait. Mais ça, c'est vrai que dans cette catégorie éditoriale qu'on appelle le young adult, donc les romans pour les 15-25, on a parfois c'est-à-dire le monde est en train d'être détruit par les adultes et... Et par l'homme, enfin, et pas par une machine ou par... Voilà. Est-ce que la vision qu'on a du vampirisme n'a pas changé dans la mesure où maintenant on ne voit plus le sang, alors qu'à la fin du XVIIIe siècle encore, la saignée était un moyen thérapeutique absolument répandu. On saignait pour un oui, pour un non. Mais... Oui, mais je pense que ça peut garder, justement parce qu'on voit moins le sang. Le moment, quand on le voit apparaître, c'est beaucoup plus frappant, en fait, parce que c'est... Non, je pense qu'il y a un élément d'évolution. Le vampire, en fait, de Polidori, ce qui est frappant, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand vous vouliez punir des gens, vous vous attaquiez à leur corps. Après, on commence, en fait, à emprisonner les gens parce qu'on s'attaque à leur liberté. Et ça fait que vous coupez plus les gens, vous leur coupez plus la main, vous les fouettez moins, vous les brûlez moins, vous les écorchez moins, voilà. Il y a moins de sang. C'est plus amusé. Voilà. Mais donc ça veut dire que la représentation de le corps gagne en intégrité, c'est-à-dire voilà. Et donc juste le vampire qui perce quelque chose avec peu de sang, ça devient très impressionnant. Oui. Voilà. Et surtout qu'il y a quelque chose de très sexuel et amoureux à chaque fois, puisque il ne perce pas n'importe où, pas avec un objet, c'est vraiment avec sa bouche qui va percer, comme un baiser. Voilà. Alors avant de terminer, une anecdote que j'ai trouvée très amusante. Quand j'ai installé la vitrine qu'on a donc dédiée aux vampires, alors elle s'est faite en deux temps parce que Mélanie construisait son cercueil. Alors elle avait un gros rhume, donc j'ai commencé à m'inquiéter. Je me trouvais qu'elle était très pessimiste sur l'évolution de son rhume. Mais elle a construit son cercueil et entre-temps, mon fils cadet Elio dessinait à ma demande donc le vampire qui est en vitrine. Donc il y a un moment où la vitrine, il n'y a eu que le dessin du vampire parce que le cercueil était en pleine construction. Donc j'installe le grand dessin de vampire et passe dans la rue une petite fille de 4-5 ans, je dirais, avec sa grand-mère, qui donc ne voit que les dessins des chauves-souris et des vampires. Et qui se met à entrer en grande excitation devant la vitrine, à se manger les mains, à trépigner et à sauter en disant « Oh, une vitrine qui fait peur, une vitrine qui fait peur, j'ai trop hâte d'entrer dans cette boutique, viens mamie, on y va, ça fait trop peur, j'adore avoir peur. » Et donc je me suis dit « Bon, à 5 ans, cette petite n'a pas pu lire de texte. » Je ne sais pas si j'ignore tout de cette petite, est-ce qu'il y a des grands frères, des grandes sœurs, je ne sais pas, mais ça m'a impressionnée. Le fait que cette gamine ait pu comprendre qu'il y avait quelque chose d'effrayant, sans avoir, elle a exprimé la peur, mais la peur, l'excitation d'avoir peur, l'effroi face à un dessin. Alors, et en comprenant qu'il s'agissait de quelque chose qui faisait peur. Alors, ouais. Pour les publics motivés, il y a publié il y a 15 ans peut-être aux éditions Vrin un volume qui s'appelle Philosophie esthétique contemporaine, qui est sur les philosophes, c'est de Cometti, Pouivet et Morisot, c'est sur les philosophes américains des 30 dernières années, et toute la fin, c'est une série d'articles qui commence avec un article qui doit dater des années 70 et je ne sais plus qui l'a écrit, qui est... pourquoi la mort d'Anna Karénine, bon là je vous ai dit la fin, pourquoi la mort d'Anna Karénine nous émeut. Et c'est fantastique parce que, en fait, c'est ce que je disais sur David Hume, c'est que ça fait 4 siècles que c'est une interrogation, en fait.
c'est-à-dire pourquoi on va prendre du plaisir à voir ça, pourquoi ça nous émeut, pourquoi ça nous apporte de l'excitation. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, il y a plein de réponses différentes et cette série d'articles répond, enfin, essaie de couvrir un peu toute la chose, quoi. Mais c'est vrai, enfin, aujourd'hui, les films d'horreur, ça a toujours du succès. Et voilà. Il y a eu un retour, en fait, du film d'horreur à partir du milieu des années 90. Mmh. C'était... Il y a quelque chose, voilà. Il y a sans doute plusieurs explications pour les enfants, mais il y en a au moins une, c'est que les histoires de dévoration, ça les travaille. Entre les contes de fées, etc. Oui, mais elle pouvait donc identifier que le personnage mis en vitrine... représenter quelque chose d'inquiétant. C'est la peau de Scooby-Doo. Non, mais dans les livres pour enfants, la cape, c'est le vampire, en fait. On voit souvent des petits personnages de vampires. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein d'enfants qui ne verront jamais de leur vie une vraie chauve-souris, mais qui en ont souvent vu dessiner. Même Batman, c'est une chauve-souris. Hein. Oui. Zorro aussi. Oui. Une certaine façon. Eh bien, on va arrêter la rencontre sur ces mots. Merci beaucoup, merci. David, d'avoir d'être venu nous présenter cette petite rétrospective de vampires. Merci pour les projections. Et puis, c'était très très bien. Et puis, ben, je vous invite. Alors, un, à donner votre sang. Ah oui. Hein, surtout, oui. On n'oublie pas. Et deux, à lire du vampire et à vous faire peur dans le noir ou pas dans le noir. Merci en tout cas d'être venu. Merci.